Nous sommes mis d'accord sur la méthode de travail qui sera proposée à nos collègues le 4 décembre. Notre réunion du 4 décembre, qui aura lieu à Chambord, a essentiellement deux objets, deux objectifs. Le premier, c'est d'engager une sorte d'autocritique sur tout ce que nous avons fait depuis 3 ans. Nous estimons en effet, tous ensemble, que depuis 3 ans, les circonstances économiques, les problèmes économiques et sociaux ont considérablement évolué et que nous devons nous poser des questions pour savoir si nous avons bien engagé les crédits, si les décisions que nous avons prises correspondaient bien aux problèmes que nous avions à résoudre et si nous devons continuer dans ces voies. Autrement dit, c'est un examen critique de notre méthode de travail. Et c'est une méthode qui, pour la première fois, va être engagée au sein d'une assemblée régionale. Et nous le ferons bien entendu en liaison avec le Conseil économique et social. Le deuxième objectif, et c'est très important, a pour but d'engager une réflexion sur le thème suivant, une région, pourquoi faire? Un certain nombre de problèmes fondamentaux se posent maintenant à travers les régions. Il est essentiel que les dispositifs régionaux qui ont été mis en place par la loi de 72 soient efficaces. Nous estimons que les régions doivent s'occuper à la fois d'aménagement, mais surtout doivent être habilitées à pouvoir faire face aux problèmes qui nous serrent le cœur à tous. C'est les problèmes économiques et sociaux, c'est le problème de l'emploi, ce sont les problèmes de mise en valeur économique de notre région. Et nous demandons, sur ce point, dans le cadre de la loi de 72, et tout à fait en accord avec les déclarations de Monsieur le Président de la République, déclaration qu'il a faite au début de l'année à Dijon, nous souhaitons pouvoir disposer des moyens, des pouvoirs pour être efficaces. Nous demandons l'efficacité pour justement avoir le moyen de faire face à nos responsabilités. J'ai la faiblesse de penser que cette réunion du 4 décembre sera très importante pour la région et que nous proposerons au niveau national un certain nombre de suggestions.